Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, aujourd'hui, tous en 5 points, au total à Nabino. Le premier point, ils ont nomination, il y a un nouveau directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État, M. Guilin Nyembo. Et en deuxième point, nous allons parler de la déstabilisation. Oyo, ils ont se préparé na Katanga. Vous savez que Joseph Kabila est depuis plus d'un mois en déplacement au Katanga. Et au Katanga, vous savez aussi qu'il y a des prêches pour déstabiliser le Katanga. Il y a des prêches sécessionnistes qui sont en train de se faire. Il y a une tentative de distiller une certaine guerre tribale na Katia Katanga. Alors, Tokomeka, pour analyser en gros Nabino, et puis surtout, il y a qu'au Pesabino, bah, information, il y a pas biloko oyezo le kamikoloyo, kuna na Katia Katanga. Et en troisième point, nous allons parler des signatures pour la destitution de monsieur Ilukamba. Vous savez que celui-ci s'est rendu au Katanga pour aller rencontrer son autorité morale, à savoir le sénateur à vie, monsieur Joseph Kabila. Il devait rentrer ce lundi soir pour pouvoir être entendu par les députés au Parlement, mais celui-ci a annoncé qu'il va rentrer ce mardi soir et donc ne pourra pas assister à l'audition auquel les députés avaient initié une pétition pour pouvoir l'entendre et pour qu'il puisse se justifier. En tout cas, M. Ilukamba aura montré qu'il était de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Il n'a pas eu la grandeur ni la délicatesse que pouvait avoir ou revêtir un grand politicien en démissionnant, en voyant qu'ils n'avaient plus la majorité. En tout cas, il s'est cramponné à son poste. Il a été jusqu'à demander secours à son autorité morale. Mais malheureusement, le train est en marche et ce qui doit arriver arrivera d'ici ce mardi. Et en quatrième point, nous vous mettrons un reportage sur les inspecteurs qui viennent d'être nommés à l'IGF qui devront être là pour superviser et pour surveiller que les entreprises et les biens de l'État sont bien gérés. Nous vous mettrons un petit reportage du responsable de l'IGF, M. Alinghetti, avec les nouveaux inspecteurs. Et en cinquième point, nous essayerons de vous expliquer le pourquoi et l'importance de la stratégie du chef de l'État par rapport à l'Union sacrée, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de remous, il y a beaucoup de méfiance, il y a bandeko na biso misusu, il y a partenaire oyo balobi pourquoi tondimi que batu ya FCC bakota na kati ya Union sacrée. Alors nous essayerons d'expliquer avec vous tout ça et nous essayerons surtout de vous montrer que la stratégie du chef de l'État est la meilleure qui pouvait être parce qu'aujourd'hui, il a rassuré ceux qui hier étaient nos adversaires. Ceux-ci sont prêts pour une fois à travailler maintenant pour le peuple congolais. Et donc, je crois que nous allons récupérer le temps perdu durant plus de 2 ans. Et nous terminerons cette émission avec une mauvaise nouvelle. Vous savez que M. Dan Gettler a été réhabilité par les Américains. Il pourra désormais, sans être tracassé, reprendre ses activités ici au Congo. Et donc, nous sommes en train de voir qu'ils ont mis un paquet pour corrompre des associations, pour corrompre des journalistes, pour que ceux-ci puissent faire la promotion de M. Dan Gettler. Mais nous devons savoir que M. Dan Gettler est l'un des plus grands fossoyeurs du Congo, est une des personnes qui s'est le plus enrichie sur le dos des Congolais. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'un tel monsieur puisse reprendre des activités économiques dans ce pays. Et nous devons vraiment militer et faire le nécessaire pour que ce monsieur soit jugé au Congo. Voilà, Bandeko, vous savez que depuis que M. Vital Kamerhe, qui était directeur du cabinet du chef de l'État, a été condamné à 20 ans de prison, il y avait M. Eberhard qui faisait l'intérim. Et donc aujourd'hui, il y a eu une lecture à la télévision qui annonce la nomination de M. Guilin Nyembo. En tout cas, qui est M. Guilin Nyembo? Nous avons vu des fausses informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux. M. Guilin Nyembo est un membre de l'UDPS, un fidèle parmi les fidèles du président Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de Bruxelles. C'est un économiste, un pasteur, et vraiment c'est une personne de valeur et une personne compétente à la place qu'il faut, qui a été nommé par le chef de l'État en remplacement de M. Vital Kamerhe. Nous tenons déjà à le féliciter. Alors ici, nous allons vous mettre la lecture de la RTNC qui annonce cette nomination. Bolan.
portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79. Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 09-003 du 30 janvier 2009, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 4 et 7. Revu, l'ordonnance numéro 19-001 du 25 janvier 2019 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur de cabinet du président de la République, M. Guilain Nyembo Mbuizia. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraire à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 janvier 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 janvier 2021, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongel-Lébérande, directeur de cabinet intérimaire. Vous savez que depuis quelques jours, il y a M. Joseph Kabila qui séjourne au Katanga. Tohibsa Kibino, qu'aujourd'hui, dans les calculs et dans les plans du FCC, il y a Batu Oyo, Batikali Fidel, il y a Joseph Kabila, c'est de démarrer une insurrection à partir du Katanga, c'est de commencer des troubles à partir du Katanga. Et c'est ainsi que Toza n'a pas information, il y a Bandeko Misusu qui ont été recrutés depuis Kinshasa pour aller rejoindre une milice au Katanga dans laquelle ils doivent faire sécession. Toza n'a pas image et belé, Oyo, nous n'arrêtons de recevoir et des informations qui sont en train d'aller dans ce sens-là. En tout cas, nous continuons à alerter Bandeko na biso Oyo qui s'occupe dans les services de renseignement pour Bazala. Prudent et surtout pour Bafongola Miso, parce que nous voyons que ici, Bandeko Oyo qui ont régné, qui ont mis le Congo à genoux pendant plus de 18 ans, ne veulent pas accepter leur défaite aujourd'hui et ne veulent surtout pas abandonner les avantages qu'ils ont eus, qu'ils ont acquis pendant plus de 18 ans. Et donc ici, ils sont en train de mettre en place des stratégies et des stratagèmes pour essayer de déstabiliser Mbongo Biso. Alors, Biso Tokoloba Mingite, Totiela Bino, information, Oezo dénoncé, Makambouya, ba sécession, Naba milice, Oezo s'est formé, Nakatia Katanga, Bolanda. Bonsoir, mon vieux Papi Tamba. C'est bel et bien moi, votre petit Rigen Lukoki. Vieux, Marabobozo Sala, n'a pas mis tout dans ma question, ce qui vous considère à Bissot, n'est-ce pas Congolais ou pas Congolais. Et je me pose la question, ce qui est là qui, balé qui n'a bino, toba n'a bino, boulangi bondima, bakota n'a pas risqué à boue. Na Kinshasa bo rassure biso lolo mususu. Bo recruter biso ba jeune bolobi que toi na Katanga Albert Yuma opesa biso misala. To komi sur place et komi makamuya ko créer un mouvement insurrectionnel poto la Musa sécession ya Katanga. Est-ce que ça ndenge te okana na Kinshasa to ndenge ni? Parce que bisonyoso ne to longwa na kin to ebek to e katanga koluka musala to komina Lubumbashi botine delegation ya mbibiso e memi biso na ba hotel place to zali to sali réunion na kokonyangi na Nehemi na Muyeji Ferdinand Kambere pas alagi e komi makambu ya sécession ya Katanga. Est-ce que na kin to kana makama sécession ya Katanga? Pourquoi Bozoli n'a pas instrumentalisé ma jeune? Il ne peut pas respecter ma corte, vieux. Nakin bo pesi discours moussoussou, awa discours échangé.
et comme ko simbi sabiso mandoki nga banana bota manano na simba mondoki ata mukolo mote marambo sali biso na kini ko kite bo meme biso na katanga poto ya créer mobulu vie en tout cas nga na sepel na ngote. Et puis je vous rassure que na redénoncer en haut sur le plan national et sur le plan international non la kisango à la face du monde makambo oyo boza ko sala soki boki makambo ebimi ba complonyo so o boza ko préparer ebimi eza rigen loko ki ndem na bimission na me voilete eza rigen loko ki ndem mutu na bimission na ko denoncer en haut partout na ko ebisa na bandeko makambo oyo bino boza ko préparer. Nga na rose la jamais on a soutenir en groupe au bazolinga séparation ya mboka na ngai to yakina Lubumbashi awa pona musala au borasire biso na jekamine et comme makamba sécession ya katanga na ndenge nini bosimisa biso mondoki to créer des ordres to créer makila pour katanga et koma une nation à part entière non to rondi mangote biso ba chaîne déjà to komi ko kima to bende ko kima ngai na ko dénoncer na zui engagement ya ko dénoncer au nyonso boza ko sala bana bino na ba leki na bino boza ko bomba bana batu mususu ne bokomi ko exposer bango ba boma bango po bino bo sepela na ko dénoncer bino na ko dénoncer bino trop c'est trop na 18 ans to sali wana to sali na bino bo pesa yi biso misala. Le londe bo rassire biso bo pesa biso misale koma mara mususu. To osana je kamine na ngote bo vanda na misala na bino to ko denose makambu wo sala. Tout à l'heure na zo benga top kongo na zo benga ndeko lezer na zo benga ba chaîne na zo benga ba journaliste aminene po na livre bango ba information nyonso o bino bo zali ko bongisa po na ko destabiliser mboka oyo batu mabe. Atuma B boko sambo. Voilà bandeko to kote la bino pe ba image misusu awa boko mona que il y a des mouvements de foule, il y a une dernière tentative, je crois, du clan de Joseph Kabila pour essayer de récupérer le pouvoir à partir du Katanga. Alors ici, Togotia Labino, ba image, on a comme ça, Bolanda, mais Togotia Naba, Congolais, Nyonso, Esika, Oyobozali, en tout cas, de ne pas tomber dans ce piège-là pour Nakomeka, pour déstabiliser Mbokanabiso. Je crois que aujourd'hui, il y a deux missions qui attendent le chef de l'État. Le premier, c'est de pacifier l'Est de la RDC. Et le deuxième, c'est le quotidien du peuple congolais. Le social congolais doit être la priorité dans le programme du chef de l'État. Il faut que les Congolais mangent à leur faim et aient accès à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé. En tout cas, ça doit être l'une des priorités dans les deux programmes que le chef de l'État aura amené durant les 3 ans Oyo et Tikali. Et donc, awa, totielibino, ba image, ya ba mouvement de troupes Oyo et Otikatanga, Bolanda. Qu'est-ce qu'il y a au Katanga Bandoku, hein? Regardez ce que nous vivons ici, on dirait les Katanga. Ça, c'est au niveau de Caravia. Les Afdel, au niveau de Caravia. Regardez un peu. Waouh! Boka! Pour la Bandeko Oyo qui n'ont pas suivi l'actualité, vous devez savoir que M. Ngoï Mulunda a été arrêté récemment. Pour le moment, il doit être jugé par rapport à Maloba Oyo, à Tenaki, à propos Moko, sécessionniste, paix séparatiste, paix, il y a division, paix, il y a tribalisme. Oyo, il a tenu au Katanga lors d'un prêche. Alors, Togotie Labino prêche, voilà, comme ça, Bokolanda Bino Moko. Mais ce qui nous a le plus choqué, c'est que M. Ngoï Mulunda, qui devait et qui était, pour ceux qui ne le savent pas, était l'ancien président de la CENI, Oyo a organisé Kiba élection il y a 2011. Et donc, il était censé être une personne neutre par rapport à la politique actuelle et il ne pouvait pas être parti pris Nengetozomona, Nengazoloba, que le Katanga a perdu le pouvoir, que c'est la faute des Katangais parce qu'ils se sont divisés entre eux. Et donc ici, je crois que ceux qui te réfléchir, Mouké, ils ont la Kisa que
Monsieur Moïmoulunda n'a jamais été neutre dans Makambu Oyo et Talakiba élection. Et donc ici, on peut comprendre qu'en 2011, on avait volé les élections à Monsieur Étienne Tshisekedi parce que Monsieur Moïmoulunda était déjà parti pris et travaillait pour les intérêts du Katanga que plutôt pour le peuple congolais. Alors, Tshisekedi, ba image na malobanae, Boulana. Je sais que vous ne dormez pas. Vous ne rêvez que des ciseaux. Quand les Magandais veulent marcher, ils ne font autre chose que les ciseaux. Si vous voulez que le Katanga continue à être, à faire partie de la République démocratique du Congo, pour toujours, je leur envoie un message, on n'est pas au stade de nos kids. S'il vous plaît. Je donne le message à tous les autres et aux dirigeants du pays. Si vous voulez que le Katanga continue à être dans la RDC pour toujours et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez de vous, le lait et le miel, je vais du haut de cette terre, devant mon Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous Katangais. Et qui vont nous pousser à couper, que vous ne vouliez pas. Maintenant, voici les choses que je demande aux autres là, s'ils ne veulent pas que le Katanga se coupe. La première chose, ils doivent respecter nos dirigeants, et plus particulièrement notre leader du Katanga, le président honoré, le sénateur Ali, Joseph Kabila. Si vous voulez qu'on reste ensemble, vous devez respecter, la très respecter, notre mère Olivier de Kabila, c'est notre maman. Le respect de nos dirigeants politiques que nous avons démocratiquement élus, arrêtez de les corrompre, arrêtez de les humilier. Vous voulez créer une majorité avec nos dirigeants que nous avons placés quelque part? Ça ne plaît pas aux Katangais. Arrêtez le plan de déstabilisation de nos gouverneurs et nos assemblées provinciales dans le but de mener en œuvre vos valeurs afin de vous donner notre lait et notre miel. On acceptera. Si vous permettez tout. Si c'est pas ça faire les motards, c'est incroyable. Ils peuvent le faire à Canaan. Ils peuvent le faire chez les Philistins. Mais pas dans la terre de Tchoumé. Soyez humble. Vous n'êtes pas chez vous. Voilà, Mandeko, vous devez savoir que nous avons une autre personne qui attise la haine au Katanga depuis un certain moment et qui n'arrête pas de faire parler de lui. Je crois qu'il faudrait également que la justice s'occupe de lui et puisse voir son cas de très près. Il s'agit de monsieur Kabange Numbi Félix. Donc ce monsieur-là, depuis plusieurs jours, ne cesse d'avoir des propos tribales, des propos sécessionnistes, comme nous le voyons avec M. Moïmoulunda. Et je crois que à ce même titre-là, il devrait également être poursuivi par la justice. Et donc, Touti Labinope Malobanae, comme ça, Boulanda. Il s'appelle Jacques Kiaboula. On ne peut pas commencer à tenir des meetings, des manifestations à Kinshasa, à Lubumbashi, pour injurier l'autorité provinciale. Et je dis à ce moment-là, le FCC n'acceptera pas et risque de réagir. Deuxièmement, chacun a un choix. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un vienne. Allez faire vos histoires où vous voulez. Mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Et lorsque nous vous trouvons en train de faire tout un meeting pour injurier le pauvre Joseph Kabila Kabange, qui à 45 ans a accepté d'abandonner le pouvoir et l'alternance a bénéficié à l'UDPS, l'injurier, c'est un manque de respect. Ça, nous ne tolérerons plus et plus jamais. C'est un message que nous donnons et nous disons que nous avons averti. Nous avons averti. Ce qui se passe à Kasumbalesa, j'y reviens. Nous venons d'apprendre qu'on commence à laver les gens, les bizarres. Des féticheurs qui sont venus du Kassai
un certain monsieur Lumpung. La société civile a toutes les données. Voilà Bandeko, il faut savoir que je crois si tout va bien, ce mardi, M. Ilukamba devrait être démis de ses fonctions en tant que Premier ministre. Celui-ci s'était rendu ce lundi au Katanga pour rencontrer l'autorité morale, son autorité morale, à savoir M. Joseph Kabila. Il devait être de retour pour au plus tard mardi matin pour pouvoir être entendu par les députés à l'Assemblée nationale, mais celui-ci a annoncé via un communiqué qu'il va rentrer ce mardi soir à Kinshasa. En tout cas, vous devez savoir que même s'il retardait son retour à Kinshasa, ça ne remet pas en question la procédure qui a été lancée pour sa destitution. Et donc, quels que soient les subterfuges que M. Ilukamba va faire, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il aurait pu éviter l'humiliation qu'il va subir du fait qu'il va être destitué par la force, par un vote, alors qu'il aurait pu démissionner et ça aurait été en sa faveur et ça aurait aussi été à son honneur. Alors ici, il faut savoir que la procédure de ce mardi ira jusqu'à son terme avec ou sans M. Ilukamba. Voilà Bandeko, vous savez que nous avons l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, au Bazawana, pour veiller à ce que les deniers publics puissent être utilisés à bon escient. En tout cas, il y a eu une rencontre des nouveaux inspecteurs avec leur directeur général. Alors, Tokotie Labino, Malobana Bango, comme ça, Bolanda. C'est un détournement de fonds présumé qui coûte cher à la République démocratique du Congo, un peu plus d'un an après l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire. Un scandale éclabousse le ministère de tutelle, le directeur national du service du contrôle et de la paix des enseignants et l'inspecteur général de l'enseignement ont été arrêtés la semaine dernière. Des arrestations après un rapport de l'inspection générale des finances. Elle avait saisi la justice et ce serait 1,5 million de dollars qui seraient détournés chaque mois. Sonia Rollet. Les premiers à avoir dénoncé ces détournements, ce sont les syndicats d'enseignants. Le SIECO et le SINECAT étaient allés jusqu'à saisir le président Tshisekedi. Pour eux, il était clair qu'avec la mesure de gratuité de l'enseignement primaire, écoles et enseignants fictifs s'étaient démultipliés, ce qui empêchait d'améliorer les conditions de vie des vrais enseignants. Le ministère se défendait en assurant avoir fait, avec l'aide d'experts étrangers et notamment ceux de la Banque mondiale, un audit du fichier des nouvelles unités, ces enseignants qui travaillent dans les écoles publiques ou conventionnées par l'État sans être officiellement recruté et payé. Ce nombre avait déjà été divisé par plus de 2 et ramené de près de 400 000 annoncés à près de 150 000. L'enjeu était d'autant plus important que la Banque mondiale avait entre autres conditionné son assistance au secteur de l'éducation au paiement des salaires de ces nouvelles unités. Mais pour les syndicats d'enseignants, il fallait aller plus loin et l'inspection générale des finances qui dépend de la présidence a été mise sur le dossier. Dès le début, les inspecteurs sont sidérés par le nombre d'écoles créées et financées après l'annonce faite par le président Tshisekedi, et l'enquête a duré plusieurs mois. Au final, la Banque mondiale, qui devait décaisser 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année, a suspendu ce paiement en attendant des éclaircissements sur les détournements dénoncés par l'IGF. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et le patron de l'inspection générale des finances, qui est à l'origine de cette enquête, est l'invité d'Afrique Soir. Jules Alinguété explique à Sonia Rollet la difficulté et l'importance de mener ce type d'enquête. Les premiers rapports que nous avions eus de nos services faisaient état de près de 12 000 écoles fictives. Les écoles fictives sont disséminées à l'intérieur du pays. C'est ça en fait la technique. Donc ils mettent les écoles dans des endroits où vous n'avez pas la possibilité de vérifier. C'est pour ça que nous avions pris beaucoup de temps avec les gens de l'intérieur pour vérifier la réalité de ces écoles. Mais en ce qui concerne les enseignants, je n'ai pas les nombres, mais il est très important les nombres. Mais nous parlons globalement de ce qu'il y a comme un manque à gagner chaque mois à cause de ces phénomènes. C'est pourquoi nous avions dit que nous perdons près de 3 milliards de francs congolais, donc 1,5 million de dollars chaque mois à cause de tous ces phénomènes-là dans la paye et même dans les frais de fonctionnement du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, le directeur du CECOP est arrêté. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est empêché de quitter Kinshasa. Est-ce que vous êtes satisfait par l'avancée de la procédure judiciaire ? Non, nous ne devons pas nous arrêter aux arrestations. Nous devons
aller jusqu'au procès. C'est ce que nous voulons. Il faut qu'on aille jusqu'au procès, qu'il y ait un procès, que tout le monde sache ce qui s'est passé au niveau de l'enseignement pour que de telles pratiques ne reviennent plus au niveau de notre éducation nationale. Le phénomène des fictifs, des écoles fictives et des enseignants fictifs ne remonte pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène, c'est une pratique au niveau des CCOP. Voilà pourquoi nous avions tenu à mettre fin à ces pratiques qui saignent en fait les finances publiques. Les responsables de ces problèmes au niveau de l'enseignement doivent savoir qu'ils sont en train de poser des actes de sabotage de la mesure de la gratuité décrétée par le chef de l'État. C'est ce qui est le plus important. Leur comportement nous crée beaucoup de problèmes, même avec les institutions internationales qui nous appuient en matière d'éducation. Voilà pourquoi ils doivent faire beaucoup d'attention. Ils doivent vraiment gérer le secteur éducatif avec beaucoup de responsabilités. Jules Alinguété, le patron de l'Inspection Générale des Finances. Il répondait aux questions de Sonia Rolly. Vous avez une mission noble, le contrôle supérieur des biens et finances publiques de la République. Vous contrôlez les biens de la République, les maisons de la République, les véhicules de la République. Comment on a acquis, comment on a affecté, à qui? Vous contrôlez les finances publiques de la République dans son sens le plus large. Les finances, les pouvoirs centraux, les entreprises du portefeuille de l'État, les entreprises d'économie mixte, les fonds publics relevant des provinces, relevant des entités territoriales décentralisées. Toutes les finances publiques, c'est vous. C'est vous qui devez faire ce travail-là. L'Inspection générale des finances n'entend plus venir constater les dégâts sur les finances publiques, mais veut désormais anticiper dans son rôle de contrôleur et encadreur de la gestion des finances publiques dans une démarche dénommée « patrouille financière ». La patrouille financière consistera à déployer les inspecteurs partout où il y a des fonds importants de l'État pour censurer anticipativement si la mauvaise gestion est aussitôt constatée. Nous avons déclenché une opération, nous surveillons à la seconde les fonds publics. C'est la nouvelle stratégie de l'Inspection générale des finances. C'est-à-dire, maintenant, là, au moment où nous parlons, dans toutes les entreprises où il y a un flux important d'argent, nous avons les inspecteurs qui sont là, qui sont en train d'encadrer la gestion des entreprises. Les responsables d'entreprises ne dépensent plus l'argent de l'État comme ils veulent. Ils établissent un plan de trésorerie, un plan de décaissement qui sont approuvés par les inspecteurs et qui vérifient les affectations de ces fonds. Nous avions voulu ça pour préserver les finances publiques aujourd'hui. Donc, il en sera ainsi dans des provinces où il y a beaucoup d'argent. Les inspecteurs vont faire un travail avant-gardiste pour éviter que les fonds puissent être dilapidés, de venir constater seulement les dégâts. En 2021, l'IGF entend solliciter à l'encontre des mauvais gestionnaires des sanctions administratives de la part du gouvernement, les poursuites judiciaires, et va poursuivre sa politique de réprobation sociale qui consiste à dénoncer publiquement les détourneurs. Toleki n'a point Oyo, Italie, Union Sacrée. Je crois qu'il fallait que nous puissions apporter des précisions pour la Bandeko Oyo, baso comprendre stratégie Oeza Sima et à président Félix Antoine Tshisekedi. Vous devez savoir une chose, c'est que Tozana Bandeko Oyo lobby tozalaki na bango tozalaki ba partenaire na bango oyo ba misusu baye ko rejoindre biso na kati ya Union Sacrée. Ceux-ci sont en train de prendre mal les défections oyo tozo rencontré Mikolo oyo na kati ya FCC. Selon eux, il ne faut pas que batu oyo qui ont eu un mauvais bilan dans la gestion de l'État puissent rejoindre l'Union Sacrée, qu'il faut qu'il puisse y avoir des conditions pour rentrer dans l'Union Sacrée. Moi, je crois que aujourd'hui, et depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a une politique dans laquelle, en tout cas, il a fait un sans faute. Un sans faute parce que beaucoup de Congolais qui sont peut-être impulsifs auraient voulu que le chef de l'État arrête Joseph Kabila le même jour. Beaucoup de nos compatriotes auraient voulu que les Congolais qui ont travaillé sous Joseph Kabila puissent enlever dans l'armée, puissent être enlevés dans la police, puissent être enlevés dans la justice ou puissent être enlevés dans la plupart des institutions de l'État. Mais ici, le chef de l'État avait été clair. Il avait dit qu'il n'était pas venu pour faire la chasse à l'homme. Il n'était pas venu pour poursuivre les Congolais.
mais il était venu pour que le Congolais puisse changer son comportement et puisse se mettre au service du peuple congolais, puisse se mettre au service de la nation. Je crois que cette approche pacifique du chef de l'État aujourd'hui est en train de porter ses fruits. C'est que nous sommes en train de voir, il y a des Congolais qui sont en train de changer leur comportement, qui ont compris qu'ils ne doivent plus être sous l'autorité d'une autorité morale quelconque, ils ne doivent plus être là comme des enfants en train d'obéir à une personne, mais ils doivent être au service de la population, au service du peuple. Et je crois que le fait qu'on laisse la porte ouverte à toutes ces personnes de pouvoir venir, en tout cas ça renforce le chef de l'État, ça donne de la crédibilité au chef de l'État. Ça ne veut pas dire que Batu Oyo Baeko rejoindre chef de l'État, Louis Baoko Maba ministre, ça ne veut pas dire que Bakozwa ba poste important, que ce soit dans les entreprises publiques, ça veut tout simplement dire que nous leur donnons une chance de se racheter, nous leur donnons une chance de pouvoir se faire pardonner auprès des Congolais, Isika Basalaki Mabe. Et donc je crois que cette approche du chef de l'État aujourd'hui est en train de porter ses fruits et surtout est une réussite parce que c'est en train de démontrer une nouvelle politique, une nouvelle approche, une nouvelle manière de faire. Et cette manière de faire a un mérite, c'est que il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas de guerre civile. Nakatiambora Nabiso est en train de se faire de manière pacifique. Et donc, je crois que c'est au bénéfice des Congolais, parce qu'il n'y a pas de bain de sang dans la capitale. Nous sommes en train de déboulonner tout un système lentement, mais sûrement. Et donc, pour ça, je crois que le président Félix Antoine Tshisekedi est à féliciter. Et surtout, que nous devons rappeler, c'est que la plupart des partenaires actuels du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui sont venus rejoindre, que ce soit au MLC ou bien dans Ensemble pour la République, Minina Bango ont travaillé avec Joseph Kabila. Et Minina Bango, quand ils ont abandonné Joseph Kabila, ils ont été accueillis au sein de l'opposition sans que ceux-ci puissent être vilipendés ou bien qu'ils puissent être stigmatisés. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi donner une chance à Bandeko Nabiso, parce que le Congo appartient aux Congolais et que Bandeko Oyo qui ont travaillé avec Joseph Kabila, c'est d'autres Congolais et c'est des Congolais qu'il faut rassurer pour que Batouana va Bandeko travailler pour un peuple, pour un Bandeko Oyo va changer Bizaleli Nabango. Donc je crois que ce côté-là, nous devons féliciter le chef de l'État dans la méthode et dans sa manière de mener aujourd'hui la politique Oyo Azomene. Et autre chose, Oyo Ifotoloba concernant l'Union Sacrée, c'est que si vous regardez bien aujourd'hui, si on devait faire du changement au sein de l'Assemblée nationale, si on devait renverser au sein de l'Assemblée nationale juste avec le MLC et Ensemble de M. Moïse Katumbi, nous n'aurons jamais pu obtenir la majorité. Cette majorité a pu être obtenue grâce aux Congolais qui étaient au FCC et qui ont décidé de soutenir la vision du chef de l'État. Et donc je pense qu'aujourd'hui, dès l'instant où ils se sont affranchis de la tutelle de M. Joseph Kabila, je crois que dès l'instant où ils ont accepté et qu'ils ont décidé de se mettre sous la direction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous devons leur donner une chance et nous devons leur permettre de travailler au sein de l'hémicycle jusqu'à la fin de leur mandat, à savoir en 2023. Donc ici, je crois que nous devons rester calmes et nous devons soutenir cette vision et cette nouvelle approche du chef de l'État. Je ne fonctionne pas sur base de ce que moi j'appelle les réactions comme les atalakou, oui. Hein, comme les musiciens aiment bien. Oui. Non, moi je suis un homme rationnel. Le jour où on va me proposer quelque chose, je pourrai dire ce que j'en pense à celui qui va me le proposer. Celui qui pousse aujourd'hui Katumbi à la porte de l'Union Sacrée. Parce que d'après nos informations, mais Katumbi ne veut pas de votre présence. Première nouvelle, moi je n'ai pas été à la porte de M. Katumbi pour solliciter quoi que ce soit. Non, mais votre présence au sein de l'Union Sacrée choque les Katumbi et les Bemba. Je suis un Congolais de père et de mère. Katumbi est un Congolais. Il fait ce qu'il veut. Mon avenir ne dépend pas de M. Katumbi. L'avenir de Katumbi ne dépend pas de moi. Mais parce qu'ils disent les parlons gens, des idées. Les gens du FCC qui ont dirigé pendant plus de 10 ans. Moi, j'ai fait 12 ans avec Kabila. Ne peuvent pas venir encore dans l'Union Sacrée. Ils vont polluer. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi on parle, Jean-Marie? Oui. Moi, j'ai parlé, j'ai participé à un gouvernement avec Joseph Kabila pendant 12 ans. Oui. M. Katumbi a travaillé avec Kabila pendant 14 ans. Alors, qui mais peut votre dire... présence les gêne. 14 ans, excusez-moi, sa présence ne me gêne pas. Pourquoi ma présence le gênerait?
C'est ridicule de parler comme ça. Et Bemba, qui sont des Congolais de première zone, qu'est-ce que vous êtes en train mais de faire? Mais vous avez fait votre temps. C'est ça l'illusion. Quel temps? Et Bemba n'a pas fait son temps, ancien président de la République. Et Katumbi, qui a été 14 ans avec Kabila, n'a pas fait son temps. De quoi est-ce qu'on parle là? Moi, je n'ai jamais été même Premier ministre, moi. C'est quoi cette histoire? C'est de la folie, finalement. Voilà, Bandeko, aussi l'ici émission Nabisso avec Likambo Oyo et Tali Dan Gettler. Vous devez savoir que Dan Gettler est une des personnes et ce qu'on peut appeler un fossoyeur. C'est l'une des personnes qui a le plus pillé la République démocratique du Congo. C'est une personne qui s'est enrichie sur le dos des Congolais et nous devons le dénoncer. Nous devons également dénoncer cette décision qui a été prise par les Américains, par le gouvernement américain sous Donald Trump, qui a levé les sanctions contre M. Dan Gettler. Vous devez savoir que M. Dan Gettler a mis de l'argent en jeu, a fait du lobbying pour que ces sanctions puissent être enlevées. Et donc ici, nous appelons l'administration de M. Joe Biden à pouvoir maintenir ces sanctions contre M. Dan Gettler, qui est un fossoyeur, qui n'est pas un exemple. Je crois que le fait de lever ces sanctions contre M. Dan Gettler est un mauvais signal pour la Batounio, surtout au Yonakati à Monde, Bazo corrompre. Je crois que M. Dan Gettler a des comptes à rendre aux Congolais. Il y a de l'argent qui ont été détournés par M. Dan Gettler, qui sont aujourd'hui dans des paradis fiscaux qui doivent revenir aux Congolais. Les Congolais ont besoin de cet argent qui a été détourné par cet homme mafieux. Et donc, j'invite ici le gouvernement congolais à faire les démarches pour lancer un mandat d'arrêt contre M. Dan Gettler et pour également lancer des poursuites contre M. Dan Gettler et ne pas permettre que sa nouvelle société, avec sa nouvelle formule Yabisso, puisse voir le jour. Je crois que nous devons stopper ça avant qu'il ne soit trop tard. Et ici, Togotier Labino, information au Ezolo Bela sanction au Yo Balongoli contre M. Dan Gettler, Bolana. Quand moi j'ai suivi cette conférence de presse, j'avais l'air de rêver. De rêver par, pourquoi? Parce que je me suis dit, mais ces messieurs nous prennent, quand je dis nous, c'est-à-dire nous Congolais, comme des cons. Comment comprendriez-vous, mes patients, qu'aujourd'hui, je vienne, je prends ta maison, je te mets dehors, et au bout de 2 ans, je reviens, je dis, écoute, la maison est tellement grande, est-ce que tu ne veux pas revenir un tout petit peu, me payer un peu d'argent pour profiter de ta maison? Dan Gettler, comment il a acquis ses royalties de Metalcol? Comme toujours, il a un modus operandi connu. Grâce à sa relation avec le président Kabila, avec M. Yuma, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui cédait des actifs miniers congolais à des vils prix, et lui, après se les approprier, il les revendait à des prix exorbitants. En 20 ans de présence au Congo, contrairement à son discours qui dit qu'il a investi des milliards, il est arrivé au Congo avec 5 millions de dollars dans ses poches. C'est ce qu'il a donné à André Laura Désiré Kabila. Aujourd'hui, 20 ans après, il est devenu milliardaire grâce à l'argent du Congo. Aujourd'hui, malgré les sanctions américaines, Dan Gettler touche 100 000 $ par jour de l'argent des royalties sur les projets KCC, les projets de Glencore. Cet argent appartient à la Gécamines. Et c'est M. Yuma qui lui a cédé presque sans rien. Et dans les dossiers Metalcol, les gens ne le savent peut-être pas. On soupçonnait depuis longtemps qu'il avait acquis encore frauduleusement ses royalties. Mais on n'avait pas de preuves. Il a fallu que grâce à l'ITI et ses contrats soient publiés pour qu'on voit Dan Gettler tenir les discours qu'il a tenus en disant « Ah oui, c'est moi qui suis propriétaire, maintenant je veux ouvrir ça au Congo ». Je voudrais dire aux Congolais une chose, Dan Gettler est sous sanction américaine. Collaborez avec lui, travaillez avec lui, non seulement faites de vous des personnes qui collaborent, qui violent les sanctions américaines, mais en plus, ces messieurs n'a pas d'offre à nous faire. Il doit se retrouver en prison pour tous les pillages qu'il a fait de la richesse congolaise. Aujourd'hui, notre demande principale est à 2 niveaux. Nous exigeons absolument que la justice congolaise ouvre une enquête contre Dan Gettler et nous demandons aussi des mesures conservatoires sur l'ensemble de ses affaires au Congo. Ce n'est pas normal au moment où les travailleurs de Gécamines ont des problèmes de trésorerie, au moment où les retraités de Gécamines souffrent des problèmes, Dan Gettler continue à toucher 100 000 $ par jour de l'argent qui doit aller
à la Gécamines. Et pour ça, nous demandons à Glencore, à KCC en particulier, qu'il arrête de payer à Gettler cet argent. Mais pour ça, il faut que le gouvernement congolais le demande. Mais c'est Félix Tshisekedi qui dit qu'il est là, le président du peuple d'abord, a là un devoir de responsabilité, un devoir moral d'exiger la fin de ces paiements à Gettler pour que cet argent revienne à la Gécamines, parce que la Gécamines en a besoin et le peuple congolais en a besoin. Pas Dan Gettler. Notre rapport, publié conjointement avec une plateforme de protection pour les lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF, basée à Paris, est basé sur plus d'une année de travail et d'enquête méticuleuse. Et elle est basée sur des documents fournis par des lanceurs d'alerte. Cette enquête nous a permis d'exposer la manière dont Dan Gettler, un milliardaire israélien déjà soupçonné de corruption depuis longtemps, comment il aurait su échapper aux sanctions américaines en utilisant ce qui s'apparente à un réseau de blanchiment d'argent. Il aurait utilisé ce réseau pour à la fois faire sortir de l'argent du Congo, mais aussi pour mettre la main sur des nouveaux actifs miniers. Oui, Dan Gettler a réussi à contourner les sanctions américaines hein, grâce à sa proximité avec l'ancien président congolais Joseph Kabila. Quelle suite judiciaire comptez-vous donner à cette affaire ? Donc oui, effectivement, Dan Gettler est présent au Congo depuis plus de 20 ans et a toujours eu des relations assez fortes avec des hommes de pouvoir au Congo. D'abord avec Kabila père, puis avec Joseph Kabila. Ce qui lui aurait d'ailleurs permis de mettre la main sur des contrats miniers à bas prix, à prix cassé. Gettler est déjà un personnage très controversé à l'étranger. Ses affaires avec des multinationales sont déjà sous enquête dans beaucoup de pays du monde. Il faudrait donc que la RDC ouvre une enquête sur Gettler et ses affaires au Congo et gèle ses biens jusqu'à ce que cette enquête soit publiée. Oui, vous dites aussi que Dan Gettler a bénéficié du soutien de certaines multinationales telles Glencore. Comment faire pour que cela ne se reproduise plus ? D'après notre enquête et même d'après les annonces publiques de Glencore, ils effectuent des paiements de royalties, donc des paiements contractuels à Gettler. Et on a d'ailleurs pu les tracer dans les comptes de Ventura Development, l'entreprise qui reçoit les paiements. Global Witness a beaucoup enquêté sur les deals entre Glencore et Gettler et appelle évidemment à ce qu'une enquête soit ouverte concernant Glencore. D'ailleurs, elle est déjà sous enquête dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Il serait donc temps que la RDC ouvre elle-même une enquête. Concernant des contrats de cette nature dans le futur, il faudrait que la Gécamines, donc l'entreprise minière publique congolaise, publie tous les contrats qu'elle effectue avec des entreprises et qu'elle soit gérée de manière plus transparente. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais dans le cadre de cette affaire ? Oui, Gettler et ses affaires sont déjà sous enquête dans plusieurs pays dans le monde. Et puis on a observé que Gettler semble avoir déplacé beaucoup de ses entreprises offshore au Congo. Donc il faudrait effectivement que la RDC prenne des mesures afin de s'assurer que les activités de Gettler qu'il continue de mener au Congo soient conformes à la loi. On apprend aussi hein, que la banque Afriland First, qui est accusée d'avoir reçu les virements des prétendants de Dan Gettler, a déposé le mercredi. Que dit 1er juillet dernier, une plainte à Paris contre Global Witness et la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Est-ce que vous confirmez ? Effectivement, plusieurs articles déjà dans le domaine public parlent d'une plainte qui a été déposée à l'encontre de PLAF et de Global Witness par la banque Afriland First Bank. Cependant, je pense qu'il est important de préciser que notre enquête a été méticuleuse, basée sur des documents fournis par des lanceurs d'alerte qui, évidemment, agissaient dans l'intérêt public. Concernant les accusations, nous avons été accusés de falsifier des documents, ce qui paraît peu crédible, car nous avons à la fois été accusés de falsifier et de voler des documents. D'autant plus que la plupart des transactions qui figurent dans notre rapport ont été confirmées par bien des acteurs, notamment par Glencore, le négociant de matières premières. Ce rapport mené par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et par Global Witness se concentre donc sur ce milliardaire, comme vous dites, Dan Gettler, qui était réputé pour son amitié avec l'ex-président du Congo, Joseph Kabila. Et en 2017, ce milliardaire fut sanctionné par les États-Unis pour des contrats miniers entachés de corruption au Congo. Et ce rapport montre ce qui serait passé après les sanctions américaines et comment Gettler aurait procédé
et comment il aurait continué les affaires comme d'habitude, en faisant des affaires avec des multinationales minières, en continuant possiblement à avoir des contrats miniers en RDC, et aussi il aurait apparemment utilisé un réseau international de blanchiment d'argent pour continuer à faire bouger ses fonds. Donc il a dû bénéficier des complicités de ses amis congolais, notamment Joseph Kabila. On sait que pendant ces années, cette amitié avec Kabila, il en a vraiment beaucoup bénéficié. Le fait qu'il soit aussi fort au Congo après les sanctions et après le départ de Kabila fait poser des questions sur est-ce que le vrai pouvoir de Kabila dans ce pays reste aussi fort qu'on le pense. Est-ce que ce n'est pas soupçonneux qu'il ait continué à bénéficier d'importants soutiens en haut lieu, même après le départ du pouvoir de Joseph Kabila? Oui, en effet. Enfin, je pense qu'il y a des explications possibles à ça. La première, c'est qu'il était déjà très bien placé au Congo et il reste avec une certaine puissance au Congo aujourd'hui. La deuxième, c'est une question qui se pose par rapport au nouveau président, à son indépendance. On a tous entendu les rumeurs et les accusations par rapport à une relation très forte qui reste par rapport à Kabila et au pouvoir politique de Kabila qui demeure le même. En tout cas, c'est un gros point d'interrogation qu'on se pose avec ce rapport et avec ces contrats qu'aurait obtenu Dan Gertler au Congo avec la Jecamine. Et est-ce qu'il continue toujours de bénéficier du soutien de certains hommes d'affaires congolais ou ça s'est un peu amenuisé? Ça, je ne pourrais pas y répondre car ça ne vient pas dans le rapport. On peut dire, ce qui montre ce rapport, c'est qu'il continue à avoir des amis puissants en place. La banque utilisée, qui serait utilisée par Gertler et son réseau, la banque Afriland, est une banque qui a grandi très rapidement au Congo ces dernières années. Il continue de faire des affaires avec de grandes multinationales, la Sicomine, Glencore, ERC. Donc on dirait qu'il y a des réseaux en place qui sont en tout cas pas faibles. Et vous parlez aussi de ses ramifications au Cameroun, puisque la banque Afriland est basée au Cameroun. En effet, la banque mère de ce holding est basée au Cameroun. Malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse de la maison mère sur ce sujet. Elle n'a pas souhaité commenter notre rapport. Voilà, Bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tout oyo bolanda ki biso ndenge toyebisa kabino. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification, ça vous permettra d'être informé quand une de nos vidéos sera mise en ligne. Et pour la Bandeko, Oyoboza na ba réseaux sociaux, partagez nos émissions pour une plus large diffusion. Salé le côté, bazo senga bazo nga leli zuse, batika bafulwe belé na Congo, malakela Congo na biso mabe, bango baloba ki Congo eko bonga te, fachazi Congo apesi yango na nzambe, tokasa kabinda yango esila e, bokende université esila e. Solution à tout problème.